pardon. Non, 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 non. Revenez, revenez, revenez. C'est un coup de vent qui a claqué la porte. Probablement. Mais pourquoi ? Chut, écoutez, écoutez. Ça y est, l'urbex peut commencer. C'est quoi l'urbex en fait ? Oh, l'urbex, c'est le délire d'aller visiter les lieux abandonnés. Alors, ramenez le truc. Tada ! Chut, chut, chut. Mais c'est bon. Alto. Pardon. Ça fait flipper ici. C'est quoi tout ça? Oh. On se croirait figé dans le temps, là. Emine, comment tu as trouvé cet endroit? Oh, il est carrément cool. En fait, je passe souvent ici. Et ça fait 3 semaines, je vois aucune voiture se garer devant. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas la visiter, hein. Mais c'est un petit peu bizarre ton histoire, là, non? Et ouais, ça fait 2 jours que n'a pas vu ta famille en foyer. Ouais. Tu dors où, en fait? Ah,
Il y a quoi là-bas? Waouh, il y a trop de trucs, c'est dingue. Ça brûle, hein. Oh, il y a que des radios et de la poussière ici. C'est quoi ça? Aldo, non, c'est pas moi. Ouais. C'est quoi ça? C'est un couteau ça? Ouais. C'est tard. Nous pourrons nous asseoir, je vous accompagne au foyer. Ouais, non, je vais juste regarder encore 2-3 trucs. C'est bon, je viens. Ok. On marche. Un, deux. Comment que ça marche, ton jean? Vous m'entendez? Marie, ma petite, où c'est que t'es? Il fait froid dehors. Et puis ils annoncent du mauvais temps. T'as même pas pris de manteau, il va faire nuit. C'est à cause de ta radio, c'est ça? Parce qu'elle est cassée? Si c'est ça, c'est pas grave, je t'en rachèterai. Je connais ton père quand il est énervé, il fait pas exprès, c'était pas contre toi. Dans ce moment-là, tout y passe. Regarde la lampe, la dernière fois il l'a cassée. Le lendemain, il m'en avait racheté une. Il était désolé. Allez, reviens, ma petite. Prochain. Y'a quelqu'un? J'ai une arme? Peut-être. Marie, ça fait 5 ans maintenant. T'as tes 4 postes de radio qui t'attendent. Elles sont emballées. 4 postes comme les 4 anniversaires où tu t'es pas là. T'es encore au garage? Tu sais, ici, c'était déjà pas marrant. Mais depuis que t'es partie, ma petite, y'a tout qui va te travailler. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es là?
Ça s'arrange pas pour ton père. Il est triste que t'es pas là. Travailler, qui dit. Se décarcasser toute la journée pour rentrer ici et se retrouver à deux, comme des cons. Bordel, qu'est-ce que tu fous toujours en bas toute seule dans le noir? Bon, je te laisse. Comme je te dis à chaque fois, si t'entends ce message, dis-moi au moins si tout va bien. Si tu manges bien là où que t'es. Ça m'a fait du bien de te parler. Ça me ferait tellement du bien de t'entendre. Tu lui parles, non? À Marie? Et qu'est-ce que tu fais là? C'est ta faute en tout ça. De quoi tu parles? Qu'est-ce que t'insinues là? Quoi qu'elle est partie, Marie, au fond, hein? Parce que t'étais triste. Regarde-toi, regarde ta gueule. Ta gueule, non mais ça n'a pas, François. T'as foutu en l'air la famille. Toujours à chialer. Arrête, on va se mettre du pépère. T'as toujours été triste de toute façon. Ça marche. Qu'est-ce que tu fais? Et puis tout est triste ici, regarde. Enlève tes mains, François, c'est pas ça. Télé depuis combien? 5 ans maintenant? Arrête. 5 ans qu'on est seul. 5 ans. Arrête. 5 ans que je suis tout seul. C'est pas ça, François, pense à moi. 5 ans. 5 ans que je suis seul. Quoi? Du marcelet, je suis déjà là. C'était quoi l'urgence? Oh, il se passe des dingueries ici, vous allez pas me croire. Quel genre de dingueries, explique. Tu dis au quoi là? Elle est où, Malak? Elle est partie aux courses. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Hier, j'ai entendu quelqu'un dans cette radio mourir. C'était probablement une émission de radio. Non, je suis sûr de ce que j'ai entendu dans cette radio. Et en plus, il y a pire, c'est pas tout. La nuit, j'entends des trucs, mais super louches. Eh, hey, comment ça, t'as dormi ici? Je voulais voir, ça fait quoi dormir dans une maison abandonnée, c'est tout? Et puis ça fait un moment que tes parents les voient pas aussi. Dis-nous la vérité. Mais vérité de quoi? Quelle vérité? En fait, ta famille a reçu une OQTF. Mes parents, ils sont partis chercher une maison. Va falloir que je les rejoigne. Du coup, je voulais rester ici avec vous un peu. Ouais, je suis pas fou, je sais ce que je dis. Vous êtes trop bête, c'est mêlé. Regarde, c'est mêlé. Coucou tout le monde. J'ai amené plein de trucs. Voilà, j'ai amené des chips, des pâtes. Et de plus rougis. Pourquoi t'as acheté tout ça? Mais Emine, c'est trop bien que tu dois quitter le foyer. Oh my god. Aldo. Moi je suis là, elle est morte, il est là. Non, moi je dors pas ici tout seul, hein. J'ai un truc à faire, je vais aller. Mais c'est sérieux les gars? Mais c'est tout seul comme ça là? Yes. Ah, je dois accompagner Salou, hein.
Écoute, poteau, moi je te crois. Je fais des recherches et je t'apporte tout de nous. Voilà. Oui, allô, maman? Oui, ça va, merci. Hey, ça va, vous? Très bien, très bien. Ça va, papa? Oui. Oui, 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 je suis chez mon pote. Oh, on fait des soirées, on fait tout. Franchement, c'est trop bien, c'est trop bien, merci. Oui. Oui, merci, maman, oui. Bon, allez, bisous. Bisous, je t'aime. J'ai le soir. Mais il est 18h. Ouvrez-moi la porte! Mais Jésus, vous faites là? J'ai pas eu peur, hein. Ouvrez-moi la porte! Regarde, ça fait skipper. On va mettre les bougies, on voit rien. Cette maison serait hantée. Des voisins déménagent. Bruit, cris, lumière qui s'allume et s'éteint. Et même une vieille radio rejoint des scènes passées. Tel est le quotidien des voisins de cette maison. Un féminicide avait eu lieu en 1989. Tu vois, je t'avais dit, truc de ouf. La fille qui avait déserté. Dans les années 80, Lexi connaissait un drame. Leur fille s'était enfuie à 16 ans. Il abattait plusieurs plaintes déposées sans suite. Dans cette maison, un homme a sauvagement battu sa femme à mort. La petite fille qui rénovait la maison de ses grands-parents à Pandan. Une femme l'a retrouvée morte, le mari écroué. C'est maintenant la petite fille du meurtrier qui tente de vendre la maison et suit de la succession sans succès. Fabrice, des heures raison textile. Elle est mise jusqu'à 75% des heures. Wow. Aldo. Bon, les gars, là c'est mort, hein. Moi je vais pas dormir tout seul. J'ai vu des couvertures à la cave, on dort avec toi. Moi je suis d'accord. Moi je suis moins chaud, hein. Tu vas pas nous laisser tout seul? C'est peut-être le moment d'écouter la radio vu qu'il fait nuit. T'es sûr? Parce que ça fait vraiment flipper. Allez, on essaye.
truc là. Non, 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 il est juste pas assez tard. Venez, on va dormir. Et puis ça marchera. J'aimerais pouvoir vous dire bonne nuit. Moi, ça fait deux nuits que je dors ici, quoi. Moi, j'ai jamais dormi assis, hein, c'est mort. C'est le fantôme, c'est le fantôme, c'est le fantôme. Il est où, Ange? Je sais pas. Il faut aller le chercher tout de suite. Oui, on y va. Non, non, moi je reste là. On devrait se séparer? Non. Non. Il est pas là. Bon, écoutez-moi les gars, écoutez-moi, ouais. Peut-être si on va chercher le super hoover, on pourra communiquer avec le fantôme. Et savoir où est Ange. Ouais. Ça marche? Ouais, ça marche. Ouais, allez, on y va. C'est là où elle est morte. Il parle plus. Il ne mange plus. Pas un mot de la journée. C'est dur de vivre avec quelqu'un comme ça. Quand j'y repense, la mouchette qu'on t'appelait. Parce que tu étais toujours en train de... Toujours en train de raconter des histoires. Des blagues, des trucs que t'inventais. Mais d'où ça devenait? Elle est faite pour la radio qu'elle disait Madame Bonté en primaire. Mais j'ai jamais compris si c'était un compliment. Avec sa gouaille, son toupet, elle pourrait être animatrice. Tu te souviens? Qu'est-ce que tu veux? Tu lui parles, non? Mais à qui? T'as encore bu? Regarde comme t'es rouge. Tu sais où elle est? Mais t'es complètement fou, François. Là, non, hein. Là, t'es complètement saut. Ça fait des mois que j'observe ton petit jeu. Tu sais où elle est, mais tu ne diras rien. Où qu'elle est, Marine? Si seulement je le savais. Elle est où, Marine? Où qu'elle est? Mais si seulement je le savais, je parle toute seule. Tu comprends pas? Je me parle toute seule comme une conne depuis des années. Où elle est? J'en sais rien, moi, où elle est. Je sais pas où elle est. Je sais pas. On aurait dû te croire tout de suite. J'avoue, c'est un peu dur à croire. Même moi, au début, je me croyais pas. Chut, chut, chut.
je sais pas ce que vous faites ici, mais là, je vais appeler la police. Je vais appeler la police. Non, 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 s'il vous plaît, moi, j'ai pas les papiers. On parle avec ta grand-mère, la fantôme. Comment tu parles de ma grand-mère, toi? Non, non, mais non, c'est non, vrai, en fait, moi, quand je suis venu ici, ils sont gentils, ces jeunes. C'est la première personne qui habite ici après toutes ces années. Je le vois bien, Émilie, que tu ne fais que passer un coup de vent. Que tu as envie de revendre cette baraque au plus vite. Je te comprends tellement, ma petite. Tu ressembles tellement à ta mère. Elle me parle, là. On est d'accord? Oui. Je sais qu'elle ne remettra plus jamais un pied dans cette maison. Cette maison est belle pourtant. Pour une personne étrangère à notre famille, c'est la plus belle des maisons. Le passé n'existe que dans les souvenirs. Pour n'importe qui, ces murs, ce ne sont que des murs. La souffrance, les cris, les pleurs d'autrefois, rien ne reste. La seule chose qui ne s'effacera jamais, c'est ma voix. Je parlais, je parlais, je parlais pendant des heures, une vraie pipelette. Je parlais à ta mère sur la Sylvie. Je savais bien, quelque part, qu'elle ne m'entendait pas. Mais je me disais qu'un jour, grâce à un voisin, ou un routier, ou un passant, ça remonterait à ses oreilles. Elle saurait que je lui parle, que je n'ai jamais cessé de lui parler. Et un jour, en effet, j'ai entendu sonner. Et j'ai tout de suite su. J'ai su que c'était elle, ta mère, Marie. J'ai voulu décrocher les mains, son père, ton grand-père. Il s'est mis dans une rage folle. Je n'ai jamais pu lui parler. Juste décrocher et lui dire je t'aime. Lui dire reviens. On ne revient pas, fais ta vie, fais ce que tu veux. Mais sache-le, je t'aime. Mais du coup, le problème, en fait, c'est juste ça. C'est juste qu'elle n'a pas pu dire au revoir à sa fille. Et au moment où c'est arrivé, j'avais la cible allumée. Quelqu'un a tout entendu. C'est ce qui m'a sauvée. Enfin, pas moi. Pour moi, il était trop tard. Quand les pompiers sont arrivés, ils n'ont rien pu faire pour moi. Par contre, ils ont pu arrêter l'incendie. Ils ont pu sauver ma voix. Toutes ces heures passées sur la Sylvie à parler à ta mère. J'ai tout enregistré. Le passé n'existe que dans les souvenirs. Et dans les cassettes. Oh, j'en ai usé des cassettes. Elle pourra m'écouter. Même si on ne pouvait plus parler, je veux qu'elle le sache, ça. Je voulais lui parler. Je lui parlais. En ai-je différé. Oh, oh. Bon. Maintenant, je sais vraiment plus quoi faire avec la maison, parce que de toute façon, comme tout le monde sait qu'elle a été hantée, ou qu'elle est hantée, ou qu'elle n'est plus hantée, personne ne veut l'acheter, et moi, je suis plus vraiment sûre de vouloir la vendre. Emeline, dis-lui. Si. Bah si, vas-y, dis-moi. Bon, moi, j'étais demandeur d'asile, et j'ai reçu une OQTF. C'est l'obligation de quitter le territoire français, ce qui fait que j'ai dû quitter le foyer. Je suis venu m'installer ici, parce que je voulais encore profiter avec mes amis. Et j'osais pas leur dire que j'allais devoir partir. Oh. Et là, ils sont où tes parents? Ils sont en train de chercher une maison quelque part en France. Ça va, bien. Aidez-moi. Vous croyez qu'il y a le Bluetooth là-dessus? Arrête, frère, t'as aucun respect, c'est la grand-mère. Et puis d'ailleurs, t'étais où toi la dernière nuit? On t'a plus vu. J'avais une grosse urgence à régler. Je pouvais pas rester. Une grosse urgence. Une grosse urgence, ouais. Très grosse urgence. Oui, oui.
on va être bien ici. Mais avec leurs voisins? Les voisins? Il n'y a plus de voisins! Ah ouais, mine! Je crois que j'ai dit une connerie. Bon, bah je vous laisse. À bientôt! Madame, mon espace personnel, madame. Ce sont des vrais gens. Qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? J'habite le lointain voisinage. Venez, mon ami. Vous êtes... Allons-nous-en. Ce sont des... Fantastique. En chair et en os. Enfin, des vrais gens. Enfin, des gens. Fantastique. En chair et en os. Enfin. Les gens sont enfin. Fous. Ce sont... Mais non, mais c'est très bien. On est vrai. Oui, je suis bien. Oh non.